Parfait. Prochaine question. On a Vincent qui demande, quand vous êtes-vous connu? Très tôt, mon chum. Ça, c'est même trop tôt, là. 30 ans, trop tôt. Je dirais 30 ans, trop tôt. Ça, c'est tôt, mon tic? Oh, c'est tôt, mon toc. Yes, sir. Gadel Mallet veut savoir, où trouvez-vous votre inspiration? C'est vraiment dans le salon que ça se passe. Oh, dans le salon, c'est vraiment là qu'on travaille. On a déjà essayé à la salle de bain, mais tu sais, c'était bizarre. Je suis en train de m'essuyer sur le bol, il se lavait. Intimité mollo, sentait pas bon. Martin Lachance demande, comment vivez-vous avec les fans? T'sais, moi, les fans, ils me rafraîchissent l'été. J'aime bien ça. Mais l'hiver, là, des fois, il y a le goût de pogner à la grippe. T'sais, c'est un peu tannant, ça. Non, non, Max, les fans. Ah! Ah, oh, les femmes! Ah, oh, je les aime, les femmes, je les trouve vraiment belles. Mais les hommes aussi, les hommes, ils ont comme une petite affaire en dessous du nombril que je traite moi. Monsieur Anonyme demande, où filmez-vous vos vidéos? Ça paraît pas vite de même, là. Mais on est d'un train. Présentement, c'est vraiment un train, là. On peut vous le prouver, là, qu'on est d'un train, là. Tableau me demande aussi, êtes-vous homosexuel? Homo quoi? Sexuel. Je passe. Votre blague préférée? Les nôtres. Justine de Jonquière demande, sortez-vous bientôt une collection de linge? Ouh! Maman de Saint-Hyacinthe demande, allez-vous faire votre vaisselle? Eh, une chancelle de Saint-Hyacinthe parce qu'elle de Québec. Christophe! Justin Legault demande, quelle est votre allégeance politique? Ouais, moi je suis principalement de gauche libérale. Je dirais que je suis assez progressiste dans mes idées, puis j'aime l'ouverture d'esprit, mais tu sais, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, là, quand même, là. Moi, le mot allégeance, je l'ai pas compris, là, vraiment, dans la question. Question en rafale. Bon. Êtes-vous comme ça dans la vraie vie? Comme quoi? Ah, bonne question ici. Depuis combien de temps faites-vous ça? 5, 10 minutes. 10 minutes max. OK, on a une question privée qui demande, quel est votre pire ennemi? Moi, je dirais Toc. Je dirais, c'est Toc, là, mon ennemi juré. J'aurais juré pour... Ouh, une question un peu plus crunchy ici. Quel est votre pire ennemi? Moi, je dirais Tic, parce que c'est un hostie de manger de merde. Il fait tout le temps le show-off, là. Il ferme jamais sa gueule. Mais ça reste entre nous, hein, les gars. Ouais, toi, t'as dit qui, dans la question crunchy, tantôt? Hein? Tu sais, là... J'ai dit, Tocassin. Tocassin. Stephen King demande, pensez-vous sortir un film bientôt? Ouais, demain. Si tout se passe bien hier. Yes. Tic! Et... Toc! Mes voisins me demandent, pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? L'hélicoptère en check take là, que je fais avec mon pénis. Ah ouais, faudrait arrêter. Ouais. Ouais. Dans quel endroit aimez-vous le plus écrire? Le spot à crack. Quel est votre animal préféré? Le cheval. Oh, il aime ça, le cheval. Ah oui. Bon, ici, on a une question. Allez-vous arrêter de faire des pubs bientôt? Ouais, on va arrêter ça, là, nous autres. Ouais, on arrête ça complètement, les pubs. On est plein de cash. Non, nous autres, les pubs cachés, on aime vraiment pas ça. C'est tout du monde fourbe. Mais s'il fallait que quelqu'un me demande quelle est ma boisson énergisante préférée de toute la Terre, ça serait un gourou. Gourou, c'est vraiment bon, ouais. Première question, votre film préféré? On n'aime aucun film, sont tous de la merde. C'est parce que le nôtre n'est pas encore sorti. Exactement. Ticketop.com. Allez vous abonner, swipe up. Oui, j'ai ça dans la mousse pour guérir. Et en deux temps de mouvement, je suis à courir. Fais ça dans mon tour pour pouvoir dire plus. Car j'ai tombé à l'amour avec une espionne russe. Puis je laisse la mousse pour guérir. Et en deux temps de mouvement, je suis à courir. Ouais, là c'est à mon tour pour pouvoir dire plus. Car j'ai tombé en amour avec une espionne russe.